Bonjour à vous. Mercredi matin, c'est Jeu Rétro et on se retrouve sur Evoland. On a fini There Is No Game mercredi dernier. C'était court, on l'a fait en 3 épisodes. Donc là, on va se retrouver sur Evoland. Hop, on va mettre la musique du jeu. Douce petite musique. Donc Evoland, c'est un jeu qu'on fait évoluer. Enfin, j'ai pas joué, parce que Eric m'a raconté. Eric, mon fameux conseiller en jeu vidéo. Donc en fait, on va débloquer les éléments de gameplay et visuel au fur et à mesure de notre aventure. Donc par exemple, on va commencer. Eh ben, je tousse. J'ai un chat dans la chambre, donc... Evoland 1 et Evoland 2. Evoland 1. Et puis cela, c'est la Legendary Edition qui regroupe donc les deux volets. Débloquer direction droite. Ah oui, en effet, vraiment, on a débloqué. Ah oui, je peux aller que à droite. Ah, j'ai débloqué la gauche. Bah voilà. Voilà, on a fini le jeu. Eh ben, c'était cool. J'ai débloqué droite et gauche. Ok. Ah, non, j'ai débloqué gauche, droite. Oh. Débloquer scrolling. Enfin, vous voyez où vous allez. D'accord. Attends, y a pas de musique, ça fait bizarre. Effet sonore. Ah. Tout de suite plus vivant. Ah oui, il ne bruite pas. Je suis pas coiffé du tout. Rolling homogène. Vitral mal de tête. Ouais, je suis pas sûr. Je préférais le. À l'ancienne, moi. Un coffre là. Je peux avoir le coffre. J'ai une épée, trop bien. Je peux tuer les monstres, mais est-ce que je peux aussi... Achoum. Monstre, bah génial, j'ai débloqué des monstres. Mais... On va faire une crise allergique. Oh, de la musique. Point de sauvegarde. Ah bah voilà. Ah oui, on l'a fait. Ah mais on débloque tout très vite en fait. Alors après c'est quand même très basique mais... Une étoile. Trouver toutes les étoiles des volantes. Ok. La carte chauve-souris, une nouvelle carte pour jouer au double twin. Ok. Ok. Oh, on a débloqué la couleur. Affichage texte couleur. Incroyable, c'est tellement beau. En effet, c'est pas moche. Mon coffre de tout à l'heure là-bas, il n'y avait pas moyen d'y accéder là. Non, c'était pas là, c'était là-bas. Je sais plus s'il était derrière un arbre ou derrière un buisson. Non, c'était pas là. C'était pas là. Non, c'est derrière des arbres.
Après des siècles de paix, un mal ancien ressurgit et menace le monde des Volandia. Vous êtes l'un des rares membres de l'ordre des Chevaliers Dragons. Votre but est de parcourir le monde pour aider le peuple et combattre le mal. Ces siècles de paix ont évidemment été un peu tristes à votre goût. On dirait que les affaires reprennent. Oui. Partie sauvegardée. J'ai pas de carte ? Non, j'ai pas de carte. Nouvelle étoile. Mais... Mais non, que je fais, moi. Arrêtez, là. Cool. Merde. Mais non. En même temps, c'est vrai que j'ai pas débloqué la barre de vie. Nouvelle partie. Non. Mais non. Déjà là-bas il y a des buissons. Donc il y a... Mais j'y crois pas. J'étais pas loin. Mais... J'ai même pas envie de quitter. Du coup. Vraiment que j'avais commencé, c'était là-bas. Hein. C'est vraiment l'ancienne. Hein. De la musique, voilà. Point de sauvegarde. Point de sauvegarde. Paul, il y a des cartes. Ah, une carte. Carte chauve-souris. Je sais pas encore ce que c'est le double twin, mais. Point de sauvegarde. Yes! La couleur. C'est quand même que la couleur vient de passer du 8 bits au 16 bits là. J'explore. Pleine exploration. Tu aurais pas une attaque spéciale? On va crever, hein. Chauve-souris là, un pattern tout pour Rob là. Bah oui, j'ai chaud. Non, là c'est fermé. Partie sauvegardée. Bon. Après des siècles, on va pas la refaire. Hein. Mais on dirait que les affaires reprennent. Youpi, ok. De sauvegarde, ça m'amusera de me le retaper si jamais je meurs.
Paul. Mmh. 156 couleurs. Non, non, non. On a débloqué les panneaux. Ah, on a débloqué la sauvegarde. Ah merde, elle est derrière. Alors, le chemin réservé aux aventuriers agiles. Ok, il faudra que je saute. Mais non! Putain, mais... J'ai tapé! C'est moche, ce que vous faites. Je veux débloquer une barre de vie, s'il vous plaît. Ah bah c'est la sauvegarde 2, du coup. J'étais plus vite... pour celle-là que... Ouais. 156 couleurs. Bloquons les panneaux. Mouvement libre. Ah, ça y est, je peux me déplacer en diagonale. Ça, c'est cool, ça. Le passage bloqué par la pierre dimensionnelle, et c'est chemin vers l'est. Ouais. Ah bah oui, guerrier agile. Alors moi, est-ce que je peux passer là? Voilà. Inventaire. Ah, un inventaire. Ok, j'ai qu'une épée. D'accord, sans tuer, on les garde. Carte du monde, trop bien. Bah si, j'ai des points de vie, j'en ai 100. Bataille tour par tour. Oh! Ah, la Final Fantasy? Exactement la Final Fantasy. Putain, c'est Final Fantasy, enfin. Ah, mais tu fais mal, toi. Il y a des 50 glisse. Bon. Ah! Dans les années 90. On a débloqué une ski 3D là. Je peux pas le capturer, ce gros piaf, avec une selle là, ça permettrait de me déplacer du coup. Débloquer dans des lieux, presque aussi bien que Google Maps. Alors du coup, si je reviens là... Non, pas de... Explorons. Pas passer. Attends, je peux sauvegarder. Je vais être obligé de me friter avec les deux gros là. Bah je crois bien. Bon bah bonjour. Ils sont 4 en plus. En même temps ils m'attaquent pas, ils ont juste un pattern à la con. Pas de courant traître. Hein. Hop. Oh, parce que j'ai le curseur de la souris sur le jeu, ça me fait loucher. J'ai pas vu ce que j'ai débloqué.
doute un passage. Mais où? Pourquoi j'ai pas lu? Ah, il y a un coffre. J'ai débloqué un village, carrément. Faire des courses. Un village composé d'une maison. De deux maisons. Ah, peut-être que je débloque les villageois, non? Maison ouverte. Bah, déjà, c'est un bon début. Une note. Non, je peux pas la lire. Ah oui, mais je suis sûr qu'il faut que je débloque les villageois. Ils sont là. Aubergiste. Bon, c'est déjà un premier villageois. C'est seulement 10 glisses. Non, je garde ma thune, moi. Je reviens, aubergiste. Je vais explorer la ville. J'ai le don à un marchand d'armes. Un vendeur. Bah putain, suffisait de demander. Mais je ne suis pas un enfant. Enfin, je suis un enfant. Allez, j'ai trouvé le coffre puberté. PNJ. Putain, je parle pas aux gosses. T'as bien raison. Non plus, je parle pas aux enfants. La carte Torque. Nouvelle carte pour jouer Double Twin. Ouais, c'est cool. Personne ne t'aime. Ne parle pas aux enfants. Joue avec les autres gamins. Putain. Ils sont méchants. Hein. Eh, j'ai terrassé des monstres. Hein. Putain, l'enfant devrait être couché. Ah mais qu'est-ce que c'est que ces menaces? Je pense que si je vais dormir... pas une carte. Bon non. Ouais, il faut que je vais aller dormir. Un enfant! Un autre enfant! Les enfants ne sont pas drôles avec ces enfants. Si seulement j'avais une graine de croissance, j'aurais plus d'un enfant. La graine que j'ai trouvée est tombée dans le puits. Elle fait trop noir là-dedans, je ne peux pas y aller. T'inquiète. Ah mais attends, le puits, non, je l'ai vu, je crois. C'est là-haut. Là. Pousse-toi, toi. Descendre dans le puits, ça paraît très sombre là-dedans. Oui, bah à mon avis, ça va être... Ah bah non, même pas. La graine. Voulez-vous la manger? Je peux pas la prendre dans l'inventaire, la manger quand j'en aurai besoin. Explorer un peu. Ah, une étoile. La carte verte, nouvelle carte pour jouer Double Twin. Bon. Voulez-vous la manger? Bah oui, du coup. C'était pas la mienne? C'était à l'autre gosse, là. Débloquer et grandir. Pourquoi y a-t-il tant d'enfants dans les jeux vidéo? Parce qu'à la base, les jeux vidéo étaient faits pour les enfants. Entre autres. Aussi pour les adultes, un petit peu. On entend des sons étranges qui viennent des cavernes au nord. Ça y est, vous me parlez maintenant, hein? Et pourtant, je suis le même. Une jeune fille est passée il y a quelques temps. Une amie, peut-être. Je ne t'ai rien demandé. Ah, le vendeur, attendez. Ok. 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 Tout le monde parle des cavernes. Donc, je pense que ça va être la nouvelle quête. Ouais, c'était pas là le vendeur? «
Bonjour, je ne suis plus un enfant. Potion, épée longue, armure de cuivre, queue de phénix, carte rare. Ok. Épée longue. Épée longue, parce que là, j'ai qu'une épée d'enfant. Ouais, en fait, ah oui, j'ai un inventaire, mais je peux pas naviguer dedans encore. C'est pratique. Ah putain. Faut peut-être l'équiper que en combat, je sais pas. J'ai même plus mon épée là. Même plus taper. Je peux peut-être pas taper dans les villages. Faire un dodo à l'auberge. Oui, vas-y. Taxe-moi 10 balles. 10 glisses, pardon. Regardez la partie. Bah oui. Comment je fais pour le haut nord maintenant? Merde. Avec mon épée de gosse là. Objet. Ah non, j'ai pas accès à mon épée, c'est quoi ces conneries? Du slim. Voilà, je vais défoncer maintenant. C'est bon. Putain. Et toi, tu veux pas m'aider? C'est un bon séjour. Ok. M'aide pas. Ne m'aide pas du tout. Je peux pas le pousser ton tonneau là, maintenant que je suis un adulte. Accompli. Pour un meilleur équipement pour passer. Ah oui, mais non, c'est vraiment comme Zelda, tu sais. Non, tant que tu n'as pas le bouclier Kokeri et l'épée Mojo, tu ne passeras pas. Ouais. Ouais. Eh, attendez, c'est pas un jeu à la con là qui va me bloquer, hein. Vraiment, c'est un tonneau sur un pont. Aurais-tu des indices, aubergiste? C'est pas toi l'aubergiste, t'es le vendeur. Non. Ah mais d'ailleurs... Ah bah si, j'ai regagné de la thune. Ah mais en fait le seul moyen c'est de... Oui. C'est d'aller me taper avec des monstres. En dessous là. Gagner de la thune pour pouvoir acheter le bouclier. Moucher parce que... RJ oblige. Génial. Heureux. Parti longtemps. Voilà. Allez, du monstre. Oh, 50. Bah, c'est bon. 150. Le bouclier est à 150, il me semble. Village de Papunink. Non, ça, c'est l'aubergiste. L'armure de cuivre. Débloqué, équipé. Vous êtes prêt à combattre des monstres plus puissants. Ok. Ouais. Ou les objets sont automatiquement équipés, peut-être. Bon. Laisse-moi passer. Ah, voilà. Attention aux monstres sur la route. Merci, Sébastien. Je sais pas pourquoi, Sébastien. Ah! Combat forcé. Quelqu'un appelle à l'aide. Qu'est-ce que c'est que ces scaven? On croirait des taupes cerises. Ou des taupes coquelicots. Ah ouais, c'est violent, là, les attaques, là. De moins. Peu de moins. Pas de moins. À 3.
Mais si. 180 glisse. Glisse. Bliss. Bliss. Ah ! Un collègue ou une collègue. Tu m'aider ? Bah oui. En fait, mon nom est... Oh, trop bien. Kairis, putain, c'est vraiment... C'est lapin. Non, j'en sais rien, parce que si je mets lapin, que après, ça devient mon ennemi. C'est Kairis. Kairis vous rejoint. Ah, bah, Bimou, lapin. Je parlais juste devant toi, il y a 2 secondes. Kairis vous a rejoint. Bon, bah, voilà, on est 2. À nous, l'aventure. Les cavernes du Nord, elles sont là. Je vais voir là s'il n'y a pas un coffre. Pour des coffres cachés. Non, évidemment. Ah bah on va voir les... Ah mais c'est vrai que j'ai pas de nom. Kairis c'est quoi? C'est une magicienne? Exactement. C'est une healeuse. Ok. Magie de soin seulement. Ah bah écoute, tu vas faire ton taf de soin. Hein. Ah tu soignes les deux en plus. C'est bien ça. Link. C'est un mélange de Cloud et de Link en fait. Bon, on va laisser Clink. Elle réalise enfin que vous êtes un être humain aussi. Eh ben oui. Ah, du gameplay. Monstre des cavernes. Ok, j'aurais pas dû le débloquer en fait. Oh putain, un torque. Mais... Attends. Pas des objets, toi. Potion, magie. Raté. Évidemment! Gourdasse! Putain, tu ne sers à rien. Pensons, pensons. Suivi la lumière, évidemment. Oula. Sale bête. Mais... Il meurt pas ce putain de serpent. Est-ce qu'on va, comme tous les jeux aussi, débloquer des bugs? Un coffre. Non, je peux pas passer. Ok, ils ont 15 de vie. Enfin, moins de 15. Ah, de merde. Ah, sale bête! Non. Mais non! Point d'expérience. Oh, trop bien, je vais évoluer. Level 1, level 1. Mais il y a un chemin que j'ai pas débloqué en bas, là. Enfin, que j'ai pas été voir. Fontaine de vie. Soigne les blessures. Ok. Bon, bah, c'est cool. Et sauvegarder la partie. Eh bah, c'est nickel. Il y a plein de chemins, en fait. Hein. Une toile des volantes. Ok. Ah, oui, c'est bon. Je vois où je suis. C'est le chemin qui était bloqué tout à l'heure. Du serpent. Bon, bah, voilà. Pour XP. Clink a atteint le niveau 2, caractéristique augmentée, attaque. Trop bien. Je vais taper plus fort. Développer mon muscle.
En effet, je suis mal à 5 au lieu de 4 sur les torques. Je pourrais aussi fuir, hein. Mais ça fait pas d'XP de fuir. Voilà. Quelque chose s'est ouvert quelque part, mais où? Trop bien. La carte! Ah merde, putain, à chaque fois ça... Le double twin, je pense que c'est un jeu de cartes, évidemment. Et ce ne sont pas les cartes du donjon. C'est ça qui m'intéresserait, moi. Non, il fallait taper les taupes avec toi. Link atteint le niveau 3. Kairis atteint le niveau 3. Et c'est par là. Oh, la pierre de 3D ou je sais pas quoi. Je pense que c'est la pierre de 3D. On va bien des... Oula. Fantôme Kefka. Allons-y, nous avons besoin du cristal. Bah vite, tu vas pas faire mal. Ah si, quand même. Boss animé, il a l'air beaucoup plus méchant comme ça. En effet, depuis qu'il bouge, là... C'est moins le mal, hein. Tu vas faire que du soin, je crois. Surtout que tu nous redonnes pas toute notre vie, donc... Ok, il fait mal à 20 et je soigne à 18. Donc, la question, on l'a vite répondu. Oula, pourquoi il est jaune? Qu'est-ce qu'il a? Pourquoi t'es malade? Pourquoi t'es tout bleu? Et débloquer la barre de vie, ça aura pas été possible. Merde, raté. Non! Où ça pique, ça? Ça y est. Oui! Vous avez gagné 400 glisses. Et 20 XP. Clic à niveau 4. Plus de vie. Plus de vie. Le cristal a été activé. Ah! Waouh, trop bien. Mode 3D. Ça, c'est cool. Musique 16 bits. Eh ben voilà! Ok, la musique 8 bits, j'aimais bien, moi. Putain, trop bien. C'est exactement ce que je voulais. Par contre, les cœurs, ils auraient pu les faire en 3D, du coup. Ah, le game design, hein. Ou quand, toi? Laissez-moi le coffre là-haut. Non, il y a des buissons. J'ai raté. Raté un truc. Je vais faire demi-tour, hein. Un fou, moi. J'espère pas coffre tout seul. Hein.
Deux coffres même. Une étoile, c'est sûr. Derrière une carte. Les coffres qui sont pas sur le chemin en général. La carte Zumba. Zumba, ok. Et ben, pour la danser. La Zumba. Ouais. Ouais, mais j'ai pas débloqué le truc qui me permet de pousser des pierres, moi. Un chemin, là. Bon. Et le corps? Mais non! Ouais. Je suis pas bien sûr que c'est une évolution, là. Le côté texture lisse me plaisait bien, hein. Ah si, ça apporte un petit côté Nintendo 64, quoi. Perdu un quart de cœur. Ok, je viens de faire le tour pour rien, en fait. Ah, mais je reconnais, là. Non, c'était pas là que j'étais... Là. Non ? Tridimensionnel franchi. On dirait le début du jeu, mais oui. Il faut que je rentre au village et puis ils vont me dire merci. Merci pour ton aide. Quel camp, saloperie. Ouais, mais j'étais où par rapport au village? Ah oui, ça y est, je me souviens. Une carte, évidemment. Oh, j'aurai un arc après. Des bombes et un arc. Ok. Bonne sauvegarde. T'as oublié, toi? Une étoile. Non, faut que j'aille au nord, là. Coucou, Kaya, comment ça va? Mais non, je peux encore pas casser les cailloux, là, moi. Ah! Réfléchissons. Réfléchissons. On est au début du jeu, de toute façon j'ai pas de nouveaux pouvoirs ni quoi que ce soit. Nouvelle otite. Ah, c'est sympa une nouvelle otite, dis donc. C'est jamais bon les otites. Mais, alors j'ai pas de nouveau coffre là. Vie bonus. Les monstres vous donneront parfois un peu de vie. Ok. Oh, l'effet de caméra! Très bien, un zoom quand on ouvre les coffres. On est content d'avoir la caméra qui bouge. Ah, ça y est, en effet, il m'a donné un peu de vie. Bra, bra. Ce soir, on mange du poulpe! Cherchons. Mais. Oh la cam. L'effet de caméra. La carte guêpe. Très bien. Une étoile. Il est content d'avoir une étoile. Je sais pas encore à quoi elles servent les étoiles. Hein. Voilà. Parlez-vous. Texture HD. Waouh! Ah, là il y a un vrai progrès. Là on est dans la beauté du jeu. Une étoile. Ah oui, là le jeu commence à être vraiment beau là. Saloperie.
Par contre, la musique, la boucle de 25 secondes, là... Voilà. Ah, mais c'est vrai qu'elle est là, elle. Les mines de la Noria sont juste au sud. Attention, pas la Moria. Nous pouvons rejoindre mon village en le traversant. J'espère que tout le monde va bien. Dépêchons-nous. Ah ouais, si tu t'arrêtais pas pour causer. Au sud, elle a dit. Hein. Ouah, même le monde, il est en 3D. Trop bien. Ouais. Mais pas là, ton village. Hein. Ah, bien dit au sud. Hein. Je suis pas fou. Hein. Ouais, je peux pas passer. Ah, il y a une grotte. Je l'avais pas vue. Mais dis donc, ce sont des statues à ton effigie. Aurais-tu menti, Kairis? Une ouverte. Je vais maintenant explorer les mines. Très bien. Donc ça m'a ouvert deux portes. Une là, qui est fermée apparemment. Avec des pots que je ne peux pas casser, c'est très frustrant. On dirait un passage, que ce passage est dangereux. Oui. Et bon bah j'ai compris, je n'y vais pas. Dangereux, on n'y va pas. Ok. Oui, je le vois. La porte est fermée. Nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. Je compte sur toi. Oui, bah en même temps, je suis là pour ça. Peau cassable. Ah, bah voilà. Ah, ça fait bien de pouvoir casser les peaux. Les peaux et les jeux de cap et d'épée, c'est une longue histoire. Faut pouvoir casser les peaux. Toujours plus casser les peaux. Bah en fait, c'est un mélange d'un peu tous les RPG. Et quand j'ai commencé le jeu, c'était vraiment en 2D. Coucou Steph, comment ça va? Le jeu était vraiment en 2D. Et le jeu, c'est Evoland. Et en fait, je débloque les éléments de jeu, de gameplay, de game design, au fur et à mesure. J'ai commencé, c'était en 8 bits, sans musique, sans son, sans rien. Et là, au fur et à mesure, je débloque les trucs. Et je reviens de loin, là. Parce que du coup, là, j'ai la 3D, la musique et tout. Fous le camp, toi. Débloquer mécanisme d'ouverture. Voilà, maintenant, j'ai débloqué des boutons. Je suis content d'avoir débloqué des boutons. Développer le... Oh, merde! Putain, mais... Arrête! Mais arrête! Je l'ai eu. Ah, ça va, Steph. Espiégé, ok. Je sais pas trop ce qui me resterait à débloquer encore, là. Peut-être de la vraie 3D où je peux vraiment bouger... Une clé. Mais il y a un coffre là. Moi j'ai accès à ce coffre. Là aussi il y a un coffre. Il y a trop de coffres que je... Ah c'est frustrant. J'ai pas été voir là. Il y avait rien. Oh il y a plein de pots à casser. Oh des pots. On va continuer l'aventure. Un nouveau coffre. Il y a un truc à débloquer là. Oh. Bloquer les squelettes. Vous mentez. Ils étaient débloqués avant. Oh putain, comment je les tue ces connards. Ils ont juste besoin d'amour. Mais oui, bien sûr. Bah, je vais l'esquiver parce que je peux pas le tuer. Quelque chose sous l'eau, il doit y avoir un autre mécanisme par ici. Ah ouais? Bah, trouvons-le. Avant que ce connard de squelette nous tue. Putain! Non, mage et squelette, là, ça va. Quelque chose est ouvert quelque part. Quelqu'un. On va passer. Ça y est, c'est ouvert. Débloquer labyrinthe. Trop bien! Un squelette plus labyrinthe, ça va être génial. Plus des chauves-souris.
Je déteste les labyrinthes. Évidemment. Dis-moi que c'est la même clé que tout à l'heure. Non, il faut pas que je meure, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas sauvegardé là. Ah, j'ai pas la clé. J'ai pas la clé. Y'a pas moyen de débloquer les cheat codes. Mais non, j'en viens de la... espèce des nouilles. Ah, je crois savoir. Je crois qu'il va falloir que je revienne. Tout début. Ah non, c'est peut-être par là. Arrête de mourir là! Là, y'a un coffre. Même ce petit mouvement de caméra, c'est un truc que j'ai débloqué. Ça y est, j'ai la clé. On se casse, on se casse, on se casse. Je vais jeter un oeil par là-bas. Ouais, j'ai bien fait. Une étoile ou une carte. Ou une connerie qui ne sert à rien. Une étoile. Trouver toutes les étoiles d'Evoland. Combien j'ai d'étoiles? 8 sur 30, ok. Ah, un petit cœur. Ah, mais c'est vrai que les monstres peuvent me redonner de la vie. Non! Ah si, c'est bon. Un cœur dans l'eau, c'est un cœur perdu. Eh ben non. Allez. On était venu chercher quoi d'ailleurs dans cette mine? Oh putain, un squelette. Venu chercher quoi dans cette mine? Oh putain, deux squelettes. Débloquer les blocs mobiles, trop bien. Putain, je vais être bloqué par les squelettes. Non, 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 non. Oh, c'est chaud. Non, putain. Je peux pas m'occuper de tout le monde, là. Mais arrête! Ah oh, si, je peux les tuer. Je pense. Juste qu'ils me lâchent. Je les tape dans le dos, quoi. Non. Mais non. Bon, bah écoute, fous-moi la paix. Non. Ah, faut que je le tue, là. Ah, mais si, je peux les tuer, en fait. Putain, la panique pour rien. Je peux pas les tirer, ces blocs? Je peux juste les pousser? Ok. Où sont les... Pour le moment, c'est vrai que c'est... Putain, un boss. Ça sent le boss. Oh putain, ça sent les sconnards. Les sconnards. Les sconnards. Les squelettes, c'est des sconnards. Arrêtez! Putain, mais je suis trop lent, en fait. Je tape pas assez vite pour les enchaîner, quoi. Arrête. Arrête, Michel. Un de moins. Arrête! Putain, j'ai juste regardé de la vie, tu me l'as fait perdre. Fumier. Non. Le stress. Débloquer interface HD. Adieu Pixel, bienvenue l'anti-aliasing. C'est de l'HD? Ah oui, les cœurs au-dessus là. Voilà, par exemple, voilà. Maintenant, les cœurs étaient moches, maintenant ils sont jolis. Il y avait beaucoup de monstres dans cette pièce, en effet. J'espère que tu vas bien. Non, j'ai besoin de soins et d'un point de sauvegarde. Laisse-moi soigner tes blessures. Ah, c'est gentil. À défaut de servir à quelque chose dans les combats. Oui, d'ailleurs, pourquoi ils ne mettent pas dans ces combats-là? Débloquer trou. Trop bien. J'ai compris. Viens. Viens là. Je sens que je vais pas pouvoir te tuer.
Ok, il faut que je le pousse. Voilà. Débloquer gauche ou droite. Putain. Un des deux est dangereux. Et voilà, c'était pas le bon. Je pense que de toute façon j'aurais pris l'autre, ça aurait fait pareil. J'aimerais débloquer un arc. Bon bah du coup c'est gauche. Mais ça sert à quoi de débloquer des monstres? 1, 2, 3. 1. Mais ça passait là, tu mens. Mais ça... Oh, d'accord, c'est bien. 1, 2. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Non! Bah ouais, force de me faire crever, ils se sont dit tiens on va l'aider. Une carte Clink. On sait toujours pas à quoi ça sert. Mais merci. Mais... Ça me fait revenir là ? Tellement nul quoi. Oh puis y a un squelette sur la plateforme, trop bien. Full camp, full camp, full camp, full camp, full camp, full camp. Ça se prouve, ça me servait à rien de refaire tout le chemin. Il fallait que je continue, il fallait que je sorte du donjon, tout simplement. Non, parce qu'il faut que j'aille par là-haut. Puzzle. Bloqué puzzle, trop bien. Si je me tape des mages en plus. Hop, un de moins. Ils ont pas l'air trop chiants quand même à tuer. Il faut juste réussir à anticiper où est-ce qu'ils vont popper quoi. Je peux pas popper là. Je m'attendais pas à ce que tu pop là, solo. Et je l'ai eu. Mais... Ah ! Je chasse tous les cubes. Sale bête, un arc. Une clé. Bon, oh, c'est mieux. Je préfère une clé qu'un arc. Non! Hop, 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 hop. Une sauvegarde! De la lave, très bien. Ah, les points de sauvegarde ne me redonnent pas ma vie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Attention, tu mets les pieds, trop bien. J'aurais des dalles. Putain.
Déjà feu. On sait, allez-y doucement. Ouais. Mais pourquoi il y avait un truc là aussi? Vous me stressez. Oula, oula, oula. Oh, oh là là. Mais non, putain, en plus c'est les... Chaud, franchement chaud. C'est bon? Ok, un boss. Putain. Hop, moi. Putain. J'ai une fois. Hop, 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 hop. Putain, mais... Ça a rien de fuir un danger, c'est pour courir dans un autre, hein. En fait, je peux pas les taper côté épée, mais... Et je commence à choper le coup de main. Merde, putain. Tourne vite, c'est con. Je suis en lurk ménage, pas de soucis, Kaye. Et de la porte du boss. Ah, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Ce boss va me débloquer quoi? Qu'est-ce qu'on peut débloquer encore dans un jeu vidéo? Le design est bon, la musique est bonne. J'ai plus grand chose à débloquer quoi. Maçon de la vie en attendant. Voilà, voilà. Si je pourrais débloquer de la vraie 3D, enfin de la. Là on est déjà en 3D, mais. J'ai vraiment débloqué un. Comme un jeu moderne, quoi. La super HD, quoi. Il y a une présence maléfique tout droit. J'espère que ce n'est pas un horrible monstre. C'est un monstre mignon cette fois. C'est un boss. Vu qu'on a débloqué la clé de la porte du boss. Quelque chose approche. Oh putain. Et il te ressemble, Clink. Est-il réel ou est-ce simplement une ombre? Clink. Oh putain. Oh! Et... ressemble pas du tout hein. Comment ça ne lui fait rien? Qu'est-ce que tu racontes? Il a déjà perdu un cœur. Attendre qu'il charge. Merde. Pas grave, il redonne de la vie. Bon par contre là le paquet de chauve-souris là, ça va bien 5 minutes hein. Il faut vraiment qu'il tape le mur quoi. Hop hop hop. C'est bon, c'est bientôt fini. Allez, fais une charge, fais une charge. Ça y est, t'es mouru. On a gagné. On a tué le boss et ses chauves-souris. C'est malin de faire des statues qui regardent le mur. On va débloquer un super truc. Une épée légendaire. Elle est lourde, mais elle vous rappelle quelque chose. Ah, mais c'est la même épée que... Cloud dans Final Fantasy VII, quoi. Invite au village. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Ça me saoule avec son village, elle. Combat 3D. Bah j'étais déjà en combat 3D. Ah, combat 3D dans le monde là. Wouah. Ah oui, c'est joli en effet. Attaque. Attaquons la grosse guêpe. Évidemment je la rate.
Attends, en magie, t'as pas débloqué des trucs, toi? Non, toujours que du soin. Aïe. Ça y est, une guêpe en moins. Mais non, pourquoi j'ai fait ça, moi? Ah, il doit avoir pas mal de vie. J'ai mes shrooms, là. Ça y est. Au sud! Pas le sud du tout, hein. Ah, mais je sais, mais. C'est un désert, je vais pas aller dedans. Trouver le village de l'autre, là. Apidia. Guêpe. Oh, il est où ton village? Machine. Attends, je viens d'où? Mais je me suis perdu! Débloquer une carte de jeu, ce serait bien. C'est la grotte de laquelle je suis sorti. Au sud, là, il n'y a rien. D'accord. Donc ton village est pas au sud, gourdesse. C'est ça ton village? Oui, je pense que voilà. Oh! Ça rappelle Zelda Sun 4 un peu. Et si ton village? J'ai pas vu ce que j'ai débloqué. Les décors clés, c'est ça? Enfin, nous y sommes. Ouais, à Ogai City, là... J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente que le village ne soit pas encore corrompu par le mal. Bah, il a l'air quand même bien. L'ambiance est bien marécageuse. Hein. Est-ce que le pouvoir du cristal va suffire? Ça me rappelle vraiment... Bah, un mélange entre les Final Fantasy VII et Zelda, quoi. Sauvegarder. Bonjour. Notre village était florissant. Regardez-le maintenant. Arbre de mana protégeait tout le pays. Mais il semble que quelque chose soit revenu de la citadelle des ombres. L'arbre de mana est lentement corrompu. Tagoaï pourrait maintenant disparaître. Le mal ne s'arrêtera pas là. Je ne peux pas rentrer dans cette cabane et casser des pots comme dans Zelda. Non. Oh, il y a un vieux chargement, quoi. Sauvegarder. J'ai entendu des rumeurs inquiétantes. Les gens disent que les bosquets sacrés étaient corrompus. C'est un endroit merveilleux, si c'est vrai, je crains qu'il n'y ait plus d'espoir. Ok. Le décor précalculé, c'était ça? Okay. Oh, des coffres. Des coffres, des coffres. Gamin hyperactif. Eh merde! Je fatigue, je préférais jouer avec des pétards. Non, non, bah c'est bien, cours après les papillons. C'est bien. Joueur de cartes. Ah, je vais pouvoir jouer aux cartes. Marchand un peu cher. Alors en effet. En effet t'es un peu cher. Lecteur DVD. Ça a l'air vachement utile hein, lecteur DVD. Armure d'argent. Queue de phénix. Je vais prendre l'armure d'argent maintenant. Même si c'était un peu cher. Je sens que je vais me faire arnaquer, mais c'est pas grave. Je peux pas jouer là? Moi aussi j'ai des cartes là. Vas-y. Vas-y, un jeu, tu débloqueras d'autres jeux si tu gagnes. Les règles. Le joueur commence avec 5 cartes. Tiré aléatoirement de son jeu. Okay. Le joueur joue une carte au tour de rôle jusqu'à ce que le plateau soit plein. Vous capturez une carte adverse si vous placez de façon adjacente une carte. Avec un plus grand pouvoir sur le même côté. Le joueur qui a le plus de cartes à sa couleur, fin de partie, gagne. Les cartes en main comptent pour un point. Il n'y a pas l'option on fait un coup pour rien? Vas-y. Ah, ok, j'ai compris. Je vais commencer par mes petites cartes. Non, ça, parce que... Non, parce qu'il va me la bloquer.
3. Il faut que je batte un truc plus fort. Peu importe le côté, là. C'est moi qui gagne. C'est moi qui gagne. Voilà. Ok, c'est bon, j'ai compris. Fumier. Mais du coup, est-ce que je... Ah bah non, je peux pas faire de la ligne. Ah mais là-haut, j'ai un... celle-là, je vais la garder pour les mettre au-dessus. Comme ça, il ne pourra pas me les piquer. Bon bah tu réponds à ma question, c'est pour savoir si ça configurerait toute la ligne. Ah, là je peux lui en prendre deux d'un coup. Il me faut un... Ça, ça a l'air bien... Ah bah lui il va pouvoir les reprendre aussi après quoi. Un peu mal foutu votre histoire. 4, 5. Mais si je veux pas qu'il me la prenne, faut que j'en mette une grosse. De toute façon, 5, 3. Bah, les deux c'est un 4 au-dessus, donc ça ne changera rien. Salut Anto. Bah ça va. Je découvre Evoland. Et toi, comment ça va? Ah, c'est bon. Faut que je gagne. You win! Et je gagne toutes les cartes ou que les bleus? Bon, de toute façon, j'ai pas le temps. Card player, ok. Ah, t'es deg, hein? Bon, tu es. Les chargements, on aura tout vu. Bonjour, madame! Oui, j'ai besoin de soins. Oui, je veux sauvegarder la partie. C'est très gentil. Et c'est bon, on a déjà parlé. On a déjà eu cette discussion. Ah, les gens qui ont Alzheimer dans les jeux vidéo. Elle va me dire. Nous ne pouvons pas partir sans parler à mon oncle. Mais merde! Il y a un vaisseau volant. Et s'il a un vaisseau qui vole, pourquoi il ne se barre pas de ce village où Sekos? Arrêtez avec vos faux chargements. Je pense que ça, c'est un élément de jeu à débloquer aussi. Super livraison de ma carte graphique ce midi, donc retour au taf cet après-midi. Le PC est en repos trop longtemps. Ah bah ça. Moi, c'est depuis que j'ai la... 3070, moi. La graphique. Et ça change tout. En même temps, je suis passé du 1050 toute pourrave à une 3070, donc ça fait du bien. Ah, le vaisseau. Mais non! Je peux aller parler au monsieur. Oh, un coffre. Décor HD. Vous avez vu une différence, vous, entre avant et maintenant? Ah, si, ouais, c'est un peu plus... Un peu moins pixel. Je viens du village, je peux plus déménager ici. Parce que l'agriculture était plus facile près de l'arbre de mana. Oui, bah, j'ai compris. J'ai compris, je vais m'en occuper de votre arbre de mana. Ça fait 60 ans que je vis à Gouaï. Aussi loin que va ma mémoire, le stade des ombres a toujours été abandonné. Oui, Meyamal, il grandit à nouveau, comme dans les anciennes légendes. Oh, elle a 30 ans, mais je lui donne une voix de vieille. Pourquoi? Le décor un peu plus beau. Bah ouais, bah à peine, hein. Ça fait un peu plus genre Siberia, là. Voilà, on est arrivé en mode... J'étais une aventurière comme toi, jusqu'au jour où j'ai pris une flèche dans le genou. Clin d'œil à Skyrim. Donc j'ai eu du mal à m'asseoir pendant un moment. Ah, donc là c'était une flèche dans le... Voilà quoi. 3060 pour madame arrive ce midi et mon PC avec 3070 arrive normalement ce week-end. Ah bah tu vas voir que ça change la vie. Enfin, je sais pas ce que t'avais avant comme graphique, mais en effet ouais c'est... Ça coûte un bras aussi, disons-le. Les GeForce là... Tout ça à cause des mineurs de crypto-monnaie. Est-ce que tout va bien? Non, ça ne va pas. Tu vois bien que le village est pourrave. Seed, comme par hasard. Quoi. Comme dans Final Fantasy. Oui, ça vaut le coup. Bah oui, ça vaut le coup, mais normalement, elle devrait être moins chère quand même. Quoi. Moi, j'ai hésité. Au début, je me dis, je vais attendre que les prix baissent. Mais en fait, ils sont pas prêts de baisser. Quoi. Bah, quoi que, vu que le Bitcoin est en train de tomber, c'est possible qu'il y ait moins de mineurs. Je sais pas.
devrait suffire à vaincre le mal qui se cache dans la citadelle des ombres. Bon, on peut y aller? Oh, j'ai aussi trouvé Clink pour manier l'épée. On peut pas prendre ton gros vaisseau, là? Ça, c'est vraiment un clin d'œil à Final Fantasy. Ah oui, Final Fantasy. Pas si vite, vous aurez besoin de l'amulette de Gorn pour entrer dans la citadelle. Évidemment, elle était séparée en deux parties. La première se trouve dans le bosquet sacré. Ouais, enfin. On connaît, hein. Quand on dit au sud, en fait, c'est à l'est. Vous trouverez le bosquet sacré au sud d'Akwai. Ou d'Aoge, je sais pas trop comment le dire. Je suis allé la semaine dernière et la falaise près de l'entrée s'était écroulée. Vous aurez besoin d'une bombe pour libérer le passage. Il était affiché de l'armée, c'est plaisir de trouver des bombes. Essayez de trouver des bombes pour que nous puissions entrer dans le bosquet sacré. Ok, vas-y. Un mage puissant. Oui, allez, vas-y. Va apprendre de la magie noire. Magie noire, magie noire, magie noire. Va chercher les bombes. Eh ben, allons chercher les bombes. Bonne chance. Un membre de groupe s'en va. Bah, trop bien. Donc, retournez voir les joueurs de cartes, là. Ouais, c'est vrai que le décor est un poil peut-être plus lisse. Donc oui, texture HD au lieu de texture, je vais dire SD. Texture à l'ancienne, quoi. 515-256. Le chauve, c'est lui. Bonjour, t'as des bombes? Envoie des bombes. Tu cherches une bombe? C'est bizarre comme façon de commencer une conversation. Hé, hey, tu cherches une bombe? Non, j'en ai déjà une à la maison, elle s'appelle Lapin. Hé, hé. J'ai pris ma retraite de l'armée. Tu devrais parler à l'infirmière au nord. Infirmière ? Bah, j'ai déjà croisé l'infirmière. Tu cherches des bombes ? Oui ! Tu devrais aller voir la vieille près du puits. Elle garde des souvenirs bizarres dans sa cave. Eh, vous me saoulez, hein ? La vieille près du puits. C'est ça le puits? Non, c'est la vieille... On est d'accord? Mon processeur, c'est un... Qu'est-ce que j'ai comme pros, moi? J'ai un i7 11e génération, mais je sais plus quel. 11900, je crois. i7 11900. Il me semble que c'est ça. Madame va bien. Pas retrouver ce puits. Si, il est là le puits. Ah, la vieille, c'est toi? Des bombes, tu dis? Oui, j'en ai dans ma cave. Elles sont là depuis la guerre, mais je suis sûr qu'elles fonctionnent encore très bien. Oh putain. Un dragon, carrément. Tu veux une bombe? Bute un dragon. Faut se débarrasser de ces créatures. Ryan, t'es dégâts cette semaine, il devrait pouvoir t'en dire plus. Putain. Eh, je vais parler à tous les PNJ en fait. Elle dort? Non. Elle est en rendez-vous. Le petit a des rendez-vous. Alors, mercredi matin, c'est orthoptiste. Donc, elle est en rendez-vous. L'après-midi, c'est orthophoniste. Le mercredi, c'est chargé pour le petit. Hein. Merde! Elle m'a dit de parler à qui déjà? Je suis perdu, voilà. J'ai perdu le fil. Pas de soucis. Il sera transmis. Ah, c'était lui. Non. Le dragon, eh bien, personne ne l'avait... J'ai vu des traces sur le sol. Des gros cratères, des ronds. Où est-il ? Ils vont vraiment me faire parler à tout le monde, quoi. Dépêche-toi ! Cours ! Mange-toi ! Voilà la mère du gamin, après il va falloir aller parler au gamin.
Vous laissez votre gamin jouer avec des bombes. Le gamin, il va me dire, ah bah non, je les ai plus, je les ai fait péter. Mais si tu sais, enfin, si tu t'en veux, je sais où je peux en trouver. Je suis bien sûr que ça va être un truc comme ça. C'est bon, de toute façon, j'ai parlé à tout le monde, là. Ils vont me faire parler à tout le monde deux fois. Oh, ça va être super long. Viens là, le gosse. Viens ici. Merci, à propos des bombes. Aïe, aïe, aïe. Regardez une. Non. Quoi? Attends, voilà. Clink. Clink. J'ai pris un nouveau sort. Dis-moi que c'est un truc de feu. Trouver les bombes. J'ai débloqué les bombes. Parfait. Alors, on bosque sacré au sud du village. Il n'y a pas de temps à perdre. Bon, bah, je te fais confiance. Allons au sud. Pour moi, le sud, c'est vers nous. Hein. Donc, je reviens par là. Je vais au sud, je vais au sud, je vais au sud, je vais au sud. Ça a l'air fermé. Hein. Voyons voir le nouveau sort que t'as appris, machine. Non, ça, c'est moi. Magie. X-Crystal. Bon. Raté. Ok, il est trop bien ton sort. Ah si, quand même. C'est mal. Vous avez gagné 320 glisses, 15 XP. Le bosquet sacré. C'est bloqué. Bah non, j'ai des bombes. Merde. En effet. Ça marche très bien. Et acheteur. Un petit arme. Je ne peux pas... Oh! Cristal de fou. Qu'est-ce que je vais débloquer? Prends-le! Oh non! Cristal vous permet de passer d'une époque à l'autre. Oh bah je suis revenu en 2D. On pourra. Mais si y a ça... Ah, c'est peut-être pour couper ça? Ah oui, je peux passer les arbres pourris. Intéressant. Ne pas brûler les petits arbres, merci. Je vais me gêner, tiens, je vais foutre le feu à ta forêt. Non, bah, je crois que... Non, j'ai rien dit. Il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou, il y a un trou. Ah oui, les pierres là, en fait, je peux les passer que si je suis en 3D. Si je suis en 2D, ça marche pas. Je crois. Tester. Non, en effet, je peux pas les passer en 2D. Ah, la musique reste en tête, hein. Bienvenue. Oh là où tu marches. Bande de salauds. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mais j'ai pas d'accès au coffre. De l'autre côté, en fait, je crois que je me suis trompé de. Mais non! Putain, mais sale bête! Non. Non. Ah, c'était par où?
Yes. Vas-y, mollo, vas-y, mollo. C'est bon? C'est bon? Ah bah bah bah. Oh! Un arc. Ça y est, j'ai toutes les armes du jeu. Mais qu'est-ce que je fais maintenant? Là où c'est pas une porte, si? Bien joué. Ouais, mais... J'ai compris si l'arc va me servir à autre chose. Bon. C'est ça. Non, rien. Bon bah tant mieux. Je dois ressortir, j'ai pas compris. Merde, j'ai posé des bombes. Alors là, si j'ai flèche infinie, là je vais vous charcuter quoi. Ah, compris. Tirer une flèche enflammée. Tu vas brûler l'arme. Si je me mets en 2D, tu vas brûler. Changer le futur. L'arbuste ne sera plus là dans le futur. Bah, c'est triste, mais... Merde. J'ai pas vu, sale bête. Ouais. Attends. Là, je peux passer l'arbre. En deux coups. Mais ça. Voilà l'arbre. Et là-haut, je peux pas passer la pierre, mais il y a un coffre. Alors attends. Je peux faire ça. Faut que je crame cet arbre en fait, mais je peux pas le cramer celui-là. Et ça, je peux pas le passer si je suis en 3 en 2D. De toute façon, ah non. Les bombes, ça les pète pas les armes. Non, évidemment. Ah, vous me posez un dilemme, j'aime pas ça. Ah! Mais non, je vais te bloquer. Ah, mais je me suis bloqué comme un con. Ah, bah non, il y a. La carte Kefka Ghost, nouvelle carte pour jouer Double Twins, ok. Ah oui, pratique les bombes. Non, c'était par là. Je vais juste reprendre mon épée, mon arc. Putain, les tirs en diagonale, ils sont pas simples, hein. L'épée fera l'affaire. Je trouve que je vois mieux avec la vue là en fait. Eh, normalement j'ai les. Ouais, je peux peut-être pas. En 2D, je peux vraiment pas tirer en diagonale quoi.
crois que j'ai compris. Tu les monstres, toi ? Oui, ça tue les monstres. Va falloir que j'allume ce truc. Je crois avoir une idée de comment je peux faire. Yes. J'ai entendu que ça a marché. Mais je peux pas tirer dans l'autre. Eh, hey, fous le camp, toi, sale bête. Non, c'est par là. Oh, je pensais pas que le jeu me ferait revenir en arrière au niveau game design. Non, voilà. Okay. C'est un 3D. Time Traveler, ok. Bah j'étais su... Bah oui, mais non. Bah oui, voilà. Non, je suis con, j'aurais pu... Ah, ça marche normalement que les deux. J'ai cramé là. Ah oui. Ah oui. Ok, donc là il faut que je repasse en 3D. Mais... C'est bon, j'ai compris. Comme l'arbre, et après que je repasse en 3D. J'ai pas vu ça bien validé, j'ai entendu la zik mais... Ah, qui est bon aussi. Bah non, c'est là-haut. Bonjour. Bon bah voilà, un nouveau trou. J'aime les trous. Titre. Ça, ça. Je me demande si j'aurais pu rentrer dans le donjon en étant en 2D. Oh putain. Oh là là. Elle met leur boule de feu là, je peux pas les renvoyer d'ailleurs. Non. Je pense qu'il y aura peut-être ça à débloquer. Leur renvoi de boule de feu. Mange-toi, mange-toi, mange-toi. Première partie de l'amulette. Ok. C'est cool. J'ai débloqué un bruit bruyant énervant qui dit que je vais crever. Vous avez trouvé 10 étoiles cachées. Maintenant, je vais crever. Non, merde! Bah, c'est soit je pétais dans ma bombe, soit... Non... Putain, ma dernière sauvegarde date de quand? Oh! Ah, la chance, ça reprend juste à l'entrée. Oh, j'ai vraiment cru que j'allais repartir genre jusqu'au village. Relapin! Il y a Anto, il te fait un bisou. Il est passé sur le chat, il m'a dit de te faire un bisou. Donc je te fais un bisou, je te transmets. Les putains de fantômes de merde, là, je pourrais pas les péter avec... Non, mais... Genre les péter avec des bombes. Hop, une bombe là, on fout une bombe là. Non. Ah, ça va. Ah, ben, c'est pendant les coffres. Je
suis mort, je suis en train de lire le chat. Je reviens avec la fille de Christiane. Ah ouais? Elle a pris du service? Il y avait le chien de Gatien. Il y a le chien dans le taxi. Mathis devait être content. Enfin, petit chat devait être content. Attends, de toute façon, ça rien que je me corrige, j'ai dit son prénom. Je préfère. Putain. Eh, vous êtes trop lourd. Ah, mais attends, mais je suis con, j'ai un arc, moi. Ouais, enfin, si j'arrive à tirer. Ah, bah voilà. Raté. Et. Squelette. Putain, mais tellement plus simple de tuer avec un arc. Bon, les mâches, par contre, continuent vraiment à me faire chier. Putain. Il y avait un ban. Ouais, enfin, c'est le bot. C'est un bot. Un bot qui a banni un bot. Allez. Continuer. Oui, continuer. Link, toujours. Bon, alors les trucs qui volent, il faut les tuer à l'épée. Et les trucs qui volent pas, il faut les tuer à l'arc. Une putain de logique. Ah bah le Wizbot, oui, c'est immédiat. Hein. Mais non, putain. Mais non, mais arrêtez! Je ramasse de la vie! Nom de Dieu! Mais les mages, j'ai l'impression que je peux les tuer que à l'épée, quoi. Putain. Hop, un de moins. Vas-y, toi, pop. Voilà! Elle lui lève le bannissement? Elle lui lève pas le bannissement? Bah non. Je lui lèverai le ban. Le petit bruit stressant de ta dernière vie. Le Wizbot. Bah non, il lui lève pas. Tu parles au Wizbot? Tu viens aussi cinglé que moi? Laisse tomber. Ah bah, je laisse tomber. Laisse tomber. Non. Non. Arrêtez vos conneries, putain. Je peux pas juste... Voilà. Ah, c'est mieux. Je me sens beaucoup mieux. C'est bien qu'il y avait un truc là-bas. Alors, en toute franchise, je crois que je suis perdu. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde autour de toi. Tous ces arbres morts. Le mal a commencé à corrompre le bosquet sacré. Oui, bah, qu'est-ce qu'on est en train de faire, à ton avis? Ah, cherche ta putain d'amulette. Ah, mais il fallait peut-être pas que je parte. Mais c'est pas la même entrée. On ne comprend rien. On ne comprend rien. Mais non, je voulais pas taper ce truc. Je vais taper la chauve-souris, voilà, merci bien. Ah bah si, il fallait que je tape ce truc en fait.
Ah, mais ça se trouve, je suis en train de faire un imp. Ah. Ah. Oh là là. Mais arrêtez, vous me faites mal. Vous me blessez. Attends, alors j'ai fait une connerie. Non, ici c'est bon, je l'ai fait. C'est un donjon. Bon, pas tout, je te jure, je suis perdu. Ah, puis j'ai toujours pas débloqué de carte, quoi. Alors c'est par là qu'il faut aller. Ah, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert, ça s'est ouvert. C'est pas ouvert. Oh, j'ai jamais passé par là. Alors attends. Enflammer des flèches en 2D. Putain, il faut que je repasse en... C'est bon. Ça va être une carte ou une étoile à la con. Voilà, une étoile. Enfin, je dis à la con, mais ça se trouve, ça va me servir. Bon, ça y est, là, je me rappelle un peu près du chemin. Mais par là, par là. Meurs. Un coffre en dessous, là, quand même. Ah oui, mais il est de l'autre côté, ok. Ça va me servir à cramer un truc à un moment. Ouais, je vois pas trop quoi me sert celui-là. Ah, attends. C'est bien ça. Non, attends, il faut que je passe le petit arbre, donc il faut que je reste petit. Bah non, faut que je change, là, faut que je devienne grand. Putain, attends, je comprends pas là. Il y a un rubis en dessous là. Ah oui, un rubis. Faut que je refasse tout le tour, putain. Attends. Ça ne sert à rien, mais faisons-le. Je peux pas passer. Parlez-vous. Emmanuel Valls, Emmanuel Macron, décidément, c'est le président qui veut ça. Ah, la claque, oui. Pas de politique dans le chat, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avoir la musique dans la tête, on reste la journée. Bon, donc ça c'est passé, ça c'est passé. Ok. C'est là-bas que j'ai cramé un truc, non? Faut que j'ai allumé quelque chose. Ouais, il devait y avoir un arbre là que j'ai cramé. Bah du coup, par là-haut. Non, il faut que je sois grand, enfin il faut que je sois en 3D.
pas de politique. Ah, c'est de la politique. Les gifs, c'est de la politique. Bah, je parle plus, pour lapin. Alors, ben. Putain, mais. Elle va me reparler de ses arbres morts. Ils ont tous mouru, nos arbres. Ah si, donc c'était bien, hein. Il fallait bien que je sorte. Ah oui, mais... J'ai pas compris ce que je dois faire. Village ? Il va me dire, mais espèce de con ! J'ai une sauvegarde. Une espèce de con, il faut l'autre partie de l'amulette, qu'est-ce que je fasse avec une moitié ? Bien joué, vous avez la première partie de l'amulette. Vous devez maintenant aller aux ruines de Sardunac pour trouver la deuxième moitié. Trouver les ruines au nord-est de Gaï. Ok. On a le temps là pour faire les ruines ? Oh, on a le temps. Je couperai le live vers 11h30, 11h15, 11h30. Finis cette amulette. M'a dit quoi, nord-est ? Merde. Je peux pas passer les petits arbres là. Il va falloir que je contourne. Je ne peux pas contourner. Qu'est-ce que ce merdier ? Oh putain. La grosse tortue. Eh, tu te calmes direct, toi. En plus, j'ai plus de vie. Donc... bien aimé l'arnaque des RPG. Tu vas te faire monter en niveau, tu te dis ouais c'est bon je vais taper plus fort, mais en fait les boss, enfin les ennemis eux aussi montent en niveau donc. Putain mais. Comment je vais au nord-est de ta putain de ville? Ah! Je passe par le village, espèce de con. Espèce de con. Pas d'autre moi. Voilà. Ah, ça bloque. Ah. Oh bah, ouais, j'avais bien vu le tuyau de Mario. Clin d'œil à Mario. Vraiment un voyage dans le monde du jeu vidéo. Mais ils ont plus une sale tronche que... les machines de Mario. Qu'est-ce que j'ai fait? Magie. Soin? Oui, oui, t'as besoin de soin, toi. Merde, mais non, c'est une magicienne. Pourquoi j'utilise pas sa magie, elle? En tant qu'elle est une attaque. Voilà.
Ouais, d'accord que là, je suis pas au nord-est, hein. Là, je suis au nord, hein. Bah, elles sont là, les ruines. Il fait froid. Sélection de personnages. Ah! Nouveau truc débloqué. Je vais prendre Kaegis. Oh putain de l'araignée. Oh putain de l'araignée! L'araignée et de la thune. Ah ouais, elle. Attends, c'est une blague? Comment je fais la sélection de personnages? Ah, une fois que c'est fait, je peux plus rejoindre. Elle a un inventaire genre de 30 000 objets. Et l'autre, il a juste bombe, arc, épée, quoi. Un gros bourrin. Oh, putain. Mais cassez-vous! Je peux pas m'en sortir, là. C'est mort. Beaucoup trop de bestioles. Combo, vous pouvez maintenant enchaîner plusieurs attaques. Ah, ok, en effet. Ah, faites-moi les malines, là. Anneau de feu. Ah ouais, parce que je crois qu'avec l'autre, j'aurais absolument pas réussi, là. Mais elle gagne pas de babioles, elle. Là par contre j'ai pas la ref. Barre de vie, vous deviez être plus solide avec ça. D'accord, ok. Elle est où ma barre de vie? Ah là en dessous. Ah oh, c'est Diablo en fait. Ça y est, j'ai la ref. Oh putain de la guêpe. Lumière ambiante. Ouais, je sais pas si... C'était bien avant. On voyait clair au moins. Attends. J'ai compris, je peux aller voir au-dessus, mais... Oh putain, oh putain, oh putain. Oh! Bah je descends là. Lumière dynamique, carrément. Même votre arme fait de la lumière. Ouais, pas plus que ça. Bon, je vais retourner voir après des Yoto. J'ai l'impression qu'il m'a fait vachement mal avec juste un coup d'épée, lui. Ah, le monde est très très grand. Oh, wow, 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 wow. Y'a une ruche ou quoi là? Ah, mais... Les babioles qu'elle débloque elle. Le pot là je peux pas le casser? Non. Comme une impression de tourner en rond. Attends. Elle parle vraiment plus, lapin. Hein. Oh là! Bonjour les connards. Putain. Nom de Dieu. C'est arrivé. Quel bout. Bah non. La carte double.
Pourquoi ça clignote l'inventaire? Qu'est-ce qui me... Ah oui, ça me dit juste que j'ai un nouvel objet, quoi. Dommage contre les pierres et les murs, plus 300%. Rien à voir. Pas casser les pots? Pas du tout, toujours pas. Oh, j'ai pas compris si je pouvais re-switcher de personnage, quoi. Ok, bon bah j'ai bel et bien tout exploré par là, enfin je pense. Oui. On va continuer par là. On a trouvé cette amulette. Un point de sauvegarde. Oh putain. Non, non, j'ai crevé. Putain, il y avait de la sauvegarde juste là. Bon, ça va... Pour un bon niveau, mais j'ai déjà débloqué les coffres. Ils sont quand même gentils que ça. De te faire garder les trucs. Non, je disais, elle parle vraiment plus en plus. Steph a dit que qu'elle croyait que tu boudais. J'ai dit non, pense pas. C'est le camp. Moi j'écris plus. Ah si, tu peux écrire. Ah bah oui d'ailleurs en fait Steph, c'est bon, t'as récupéré ton pouvoir d'écriture. Je vais sûrement te capter là. Le pouvoir de l'écriture. C'est comme moi, t'as débloqué là. Débloque des trucs. Maintenant t'as le droit d'écrire dans Twitch. Ça m'énerve de pas avoir de carte, bordel. Mais... Dis donc, j'ai fait rater toi. Oh putain, il suffisait de demander, c'est dingue. Le bordel, ça m'énerve de pas avoir de carte. Off, une carte. Ça voilà, je peux m'aventurer dans des trucs en me disant c'est bon, c'est pas le chemin principal. Sale bête. J'en ai avoir du pognon. Mais non. Ça sert vraiment à quelque chose. Esquive plus 2. Ça se fait automatiquement peut-être. Alors si j'ai plus d'esquive et les ennemis me tapent moins souvent quoi. Les compliments bien mérités pour chaque petite tuerie. Carnage. Ok. J'entends même plus le son du jeu, ah bon? Ça bug ou t'as coupé le son?
Ah bah désolé. C'est vrai. Alors en fait le truc que je dois faire en général c'est quand même mettre le son assez fort du jeu. Mais moi le baisser c'est dans mon casque quoi. Là vous l'entendez là? Oh là, il fait sombre là. Une armée de connards! Oh putain, ça va chier. Oh la baston. Oh, je vais crever. Marrez-vous. Putain, et puis il y en a encore plus qui arrivent quoi. Ah, mais des fois, il faut savoir fuir. Hein. Pour un chevillon. Hein. Ouais, sauf que si c'est pour me jeter... Oh putain, je suis en train de faire un imp. Je suis en train d'aggraver mon cas là. Un autre chance. Ah bah il tombe bien lui. Bonjour, vous allez venir de la forêt où il fait beau là? Vous avez peur. La technique de l'entonnoir, multi-kill. Trop bien. Mais les mages, je suis obligé d'aller péter à la main quoi. Eh merde. Putain. Mais non! Non, pas nouvelle partie, ça fait deux fois que je me fais avoir. Bon, déjà j'avais mon point de sauvegarde plus haut, donc je suis moins loin. Bonjour. Chier, pourquoi t'es méchante avec moi? Viewers, ils sont censés encourager le joueur. Hein. Tu respectes jamais les règles, lapin. T'es une rebelle jusqu'au bout. Bah change. Tiens, ça faisait longtemps. Bah change. À mon avis, vendredi soir, on va en entendre. Bah change. Bon, en même temps, si j'ai que des combos tout pourris comme ça, je vais pas réussir à... Hein? Putain, et puis revenir une araignée, allez, vas-y. J'en ai rien à secouer. J'en ai rien à secouer! Ploup. Des sangsues dégueulasses, là. Monster kill. Vas-y hop. On va ramater 2-3 là. La musique qui se vénère en plus. Technique de l'entonnoir. Débloquer croque-mort. Vous avez tué 100 squelettes. Très bien. Je ne vois plus ma vie. En plus les mages ils sont vraiment pas résistants. Il faut juste que j'arrive à les taper quoi. Quand? Quand? C'est bon. Hop, avance. On avance. Putain. Putain, dommage de merde. Oh, les sangsues. Ils ont pas crevé à cause des sangsues, hein. Ah, mais je viens seulement de capter que les Jlis. La thune, c'est par rapport au Gil de Final Fantasy. Oh putain. J'ai pas vu si les sangsues me faisaient beaucoup de dégâts en fait, mais je veux pas le savoir. Allez, je vais juste trouver cette amulette et je vous fous la paix.
Qu'est-ce que vous en avez à foutre d'une amulette? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous avez que la moitié, de toute façon elle vous sert à rien. Onze heures trente maxi. Sauvegarde ou pas sauvegarde? Puis depuis quand les araignées se déplacent en colonie, quoi? Les araignées, c'est solitaire, hein. Massacre. Oh, mon monster kill. Bon. Juste terminer les méchants. Bon, voilà, j'ai fait le tour. Je suis mis en bas. Qu'est-ce que j'ai débloqué comme nouvel objet là? Oh, mais plein. Casque de crépuscule. Vision nocturne. Mais comment je les active ces machins? Ils sont déjà activés d'office? À la limite, je préférais les combats tour par tour depuis Harry Potter 2. De quoi? Attends, j'ai dû rater la blague. Ah, qu'elle se déplace en... Les araignées se déplacent en troupeau. En troupeau, comment on dirait d'ailleurs? Un troupeau ou une colonie? Oui, colonie d'araignées. Ouais, mais dans Harry Potter, c'est parce que c'est ses enfants, enfin, Aragorn. Aragorn, c'est dans le Seigneur des Anneaux. Bah merde, j'ai plus le nom. Cassez-vous! Hop. Hop. Aragog, oui, c'est ça. Oh, ça y est, je suis tout près du boss. Est-ce que je ferais pas une sauvegarde maintenant qu'il n'y a plus de monstres et après je reviens taper le boss? Comme ça je reviens avec full life. Brum. Bon. Yeah. Mais le jeu est très très cool, je préfère largement celui-là que There Is No Game. Enfin, c'est différent, There Is No Game c'était un petit jeu sympa, mais ça... Encore bien. Alors qu'est-ce qu'il y a eu après Diablo en RPG? Parce que là forcément le jeu va continuer d'évoluer. Ça va être la clé du boss. Oh putain merde non ça. Le maître m'a ordonné de vous arrêter. Ok. On contrôlera bientôt le monde, je serai le chef de ses armées. Ou bien est-ce que c'était détruire le monde? Bref, prépare-toi à mourir. Il ne sent rien ce connard. Ah si, il a perdu un peu de vie. Oh putain. Ok, c'est bon. Je voulais savoir s'il y avait moyen de regagner de la vie. Faut juste que j'attende les araignées. Faut pas me reconvoquer des petites ciboulettes là. Des chauves-souris là. Ciboulettes. Pourquoi je dis ciboulettes? Je vais mourir là! J'ai pas accès à mes potions ici, évidemment! Ah oui, les méchants de mort, on met du hard rock. C'est vrai que le hard rock, c'est la musique des morts. Bien connu. Oh putain, oh putain, oh putain, ne la prends pas! Mourir hein. Voilà. Mais du coup quand je reviens avec ma sauvegarde, est-ce que lui il récupère toute sa vie ou pas? Je pense. Enfin, que je supprime ma première sauvegarde, ça m'évitera de la prendre par erreur. Clap 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 clip clap clap.
Eh, ils sont revenus, eux. Ça revient à rien, en fait. Soif, 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 soif. Putain. Mais non, mais attendez, là. J'ai vraiment... Okay. J'ai pas de parade, en fait. Je peux pas parer un coup. Je vais aller taper les connards, là. Commencer par les mages, en fait, qui font tout chier. Après, c'est de la gnognotte. La gnognotte. Donc ça va servir à rien. Faire une sauvegarde pré-boss, ça ne sert à rien. Je pense que je vais en chier. Hein. Il prévient pas quand il va faire son attaque spéciale là. Moi je vais mourir. Si en fait il fait une sorte de mouvement un peu. Moi je vais reclaquer. C'est gentil pour les chauves-souris. Mais il me faut de la vie. Bah tu parles, la machine elle... 30 points de vie, je vais pas aller loin. Non, il a été presque mort! Putain. J'y étais, hein. J'y étais, quoi. Faut que j'esquive vraiment l'attaque bleue, là. Et en fait, l'attaque combo, c'est pratique. C'est quasiment que la magie qui me fait mal. Eux, quand ils me tapent manuellement, là... Oh, j'ai 20 000 gilds. Ça glisse. Faut vraiment que j'esquive l'attaque bleue, mais sinon le reste je peux vraiment le pourfendre. Là. Ça là, c'est ça qu'il faut que j'esquive. Merde, au moment où je dis faut que j'esquive, je les prends pleine tronche quoi. Attendez, il n'y a pas de la vie là? Non, c'était de la pièce. Merde! Allez, t'y passes là. Moi aussi je vais y passer, ça continue. Yes! Quelque chose s'est ouvert quelque part. C'est la dernière fois, promis. Tu mens. Ah bah GG, moi. La bullette sacrée dans un coffre au milieu d'un volcan. Bien joué, gamine. Ah. Oh bah. Justement dire, ah, j'ai pas envie de me retaper tout le chemin. Eh, hey, tu veux pas me vendre un lecteur DVD? Tant que j'ai plein de thunes. Carte rare. Carte 3D mort. Une carte pour jouer double twin. Acheter. Queue de phoenix. Potion. Là, je vais reprendre des potions. Je vais acheter le lecteur DVD. Juste pour le savoir à quoi ça sert. Lecteur de DVD rapide. Revoir le temps de chargement. Eh bah j'ai bien fait de le prendre.
Même si c'était pas non plus insupportable. Mais... Alors s'il y a vraiment plus de chargement. Ah ouais. Il n'y a plus de chargement. On va faire une partie de carte vite fait. En facile, toujours, parce que... On va te perdre mes cartes. C'est lui là que je viens de débloquer. Le roi des morts, là. C'est quoi, étoile? La première carte que je vais mettre, il va forcément me la bouffer, de toute façon. Sauf si je la regagne après. Là, je vais mettre ma petite guêpe. Ah, mais je suis pas obligé de jouer au milieu au début? Mais t'es nul? Ah oui, mais là, il va la reprendre, lui. Parce qu'il suffit qu'il mette un truc à côté du 1. Eh oui, je suis con. Putain. Pas grave, je vais retaxer son 3, là. En même temps, je suis pas obligé de jouer sur ces cartes, hein. Je peux le laisser jouer de la merde. Ah, genre ça. Je sais pas c'est quoi l'étoile. Est-ce que c'est infini ou est-ce que c'est Joker Genre, il peut pas me la prendre du côté là. Merde. Mon piaf. J'aurai la prochaine fois. Ouais, ouais. Ouais, c'est bon. Parce que 11 sur 23. Je pense que je gagne toutes les cartes du jeu. Quand je gagne la partie. Faudrait que je relise les règles. Faire une petite sauvegarde, tiens. Regarde là, puis je vais arrêter, mais je vais quand même apporter l'amulette. Parce qu'on débloque. Je vais faire mes courses. Aller manger. Tête à tête. Avec petit chat et lapin. En triple tête, du coup. Bien joué, vous avez l'amulette. Vous pouvez maintenant rentrer dans la citadelle des ombres. Elle se trouve à l'est d'Aogai, juste après la rivière. Bonne chance. Ouais. Mais on va pas y aller là, si? Non, on n'a pas le temps. On a clairement pas le temps. Une sauvegarde. Je joue au jeu. Oui, je viens de voir la requête Steam. Il joue beaucoup, hein. Le jeu a été rentabilisé, là. Enfin, pas rentabilisé en argent, mais en temps, quoi. J'avais peur qu'il y joue pas. Surtout que c'est très répétitif, son jeu, là. J'ai bien sauvegardé, hein. Oui, parti sauvegarder. Alors, j'ai une épée longue, une armure de cuivre, une épée cuivre, une armure d'argent. J'ai pas compris comment je m'équipais des trucs, hein. Est-ce que ça s'équipe automatiquement ou pas? Je pense que oui. Parce que le lecteur DVD, arc sacré... Armure d'argent... Ok, ouais. Comment on quitte, comme ça. Bon. That just as you don't know, oh bah. La musique qui commence pile au moment. Bon. C'est lui qui a mis une photo, j'ai pas vu. Non, je crois que c'est moi sur son compte Steam. Attends. Oui, oui, c'est moi. Enfin, c'est lui et moi, c'est lui qui a choisi, mais... Faut que j'enlève cette musique. J'enlève la musique là de ma liste parce que c'est chiant, ça parle. Donc voilà. Eh ben, c'était Evoland. On a bien avancé. Bah, c'est cool. Ce sera tous les mercredis matin, Evoland. Et ce soir, c'est Rogue Rose avec les foufous, avec Eric, Loïc et Aurélie. Demain, ce sera Star Wars. Et vendredi, alors ce sera pas sur cette chaîne-là, ce sera sur la chaîne d'Elbana. On sera sur A Way Out en côte à côte. Un jeu en couple, la bonne humeur et la joie seront de mise. Non, ça va très bien se passer, je suis sûr que ça va très bien se passer. Donc voilà, je vais aller faire mes courses. Et voilà, je vous dis passez une bonne journée. Et bisous, bonne journée, à bientôt. Exactement, voilà, c'est ça. allez, on se voit ce soir si vous êtes là, ou sinon demain, ou une prochaine fois. Allez, salut, bon appétit. Arrête parce que je vais finir par ne plus y jouer. De quoi? À quoi? À Wyatt? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé, tu veux déjà plus y jouer?
ça se passe bien. Quand on a fait It Takes Two, ça s'est bien passé. Tu rageais beaucoup, mais ça s'est bien passé. On était content de l'avoir fait, quoi. Arrête, parce que j'ai une... Ah, ne vouloir jouer. Ok. Bon, bah, ok. Voilà. Alors, mais c'est le principe. C'est des jeux où tu dépends de l'autre joueur, donc tu te prends forcément la tête, en fait. Mais c'est pas non plus grave, hein. C'est le but du jeu, d'avancer ensemble. C'est pas comme le jeu où on avait galéré, qu'on a abandonné. D'ailleurs, j'ai oublié le nom de ce jeu. Mais... c'était vraiment complexe, gros casse-tête, là ça c'était chiant quoi. Voilà. Bon. Bah, bon après-midi, bon appétit à vous et à bientôt. Ciao ciao. Oui, ce n'est qu'un jeu, exactement. Des bisous.